Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio Ivoire FM qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Légende des Stars. Une légende, on va dire, une jeune légende montante, voilà, donc qui confirme dans son activité musicale, c'est tout simplement le jeune dynamique africain, le dieu des rimes, Black M qui est avec nous. Bonjour Black M. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Très bien. Bienvenue à Abidjan. Merci. C'est la première fois? Non. Ah ouais? Non, je suis déjà venu 5-6 fois. Hein. Waouh! Ouais, facile. Facilement, on est venu. Je suis venu avec la section d'assaut. Ouais. Je suis venu en concert tout seul et de passage en incognito aussi à l'époque. D'accord. Donc ouais. Incognito, ça dit on vient pour des affaires perso. Ouais, rapidement. Des deals et tout ça, quoi. Ouais, en rapide. Alors, quand on revient comme ça, on va dire plus d'une fois, c'est quoi le sentiment à Abidjan? Comment on le trouve? Abidjan, on se sent chez nous parce que déjà c'est l'Afrique, c'est proche de mon pays d'origine, la Guinée-Conakry. Mm-hmm. J'ai beaucoup de fans ici. Mm-hmm. Et il y a une grosse communauté guinéenne aussi. Tout à fait. Et donc du coup, je me sens comme chez moi en réalité. D'accord. Ouais, okay. C'est bien. Bon, moi je sais que j'ai été en Guinée, je connais un peu. Donc je dis, vous êtes guinéen, quoi? Peul, Soussou. Peul. Peul. Ouais, Poula. D'accord, ok, Poula. Ouais. D'accord. Donc vous connaissez Niam Diodo? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, ça prouve que je fais là-bas en fait. Ouais, un peu. D'accord. Alors, mais comment on peut expliquer jeune, on va dire, africain qui est né en France, mais qui garde quand même, on va dire, ce lien-là avec l'Afrique? Comment on peut expliquer? Je crois que c'est l'éducation de mes parents. D'accord. Parce que mes parents, ils ont fait de sorte à ce que je connaisse très très vite l'Afrique. Mmh. Je crois que j'ai été dès mes 3 mois. Donc, et depuis, mon père, il a jamais lâché le fait que je vienne tous les 3 ans maximum. Mmh. Et c'est ce qui fait que j'ai ce lien avec l'Afrique. D'accord. Alors, la carrière musicale, on va dire, démarre comment? La carrière musicale, elle démarre en solo. Amateur comme professionnel, hein? Ouais, bien sûr. Elle commence en solo dans une chambre. J'écoute du rap. Qui, et ça, j'écoute des artistes américains, j'écoute Busta Rhymes, j'écoute les Fugees, j'écoute des artistes américains de l'époque, et un peu de rap français. Et ça me donne envie d'écrire des rimes. J'écris des rimes, je rappe dans mon coin, j'ai réussi à engrainer des amis à moi dans le rap, mais ils me suivent pas très longtemps. Je te résume, hein, quelques années plus tard, je rencontre la section d'assaut en 2002. D'accord. Et de là, il y a eu le feeling direct. Mm-hmm. Et depuis, on ne s'est pas lâché jusqu'à nos carrières solo. D'accord. Mais quand on décide d'embrasser, on va dire, cette carrière musicale, quelle a été la réaction des parents? La réaction des parents, c'est jamais très sérieux. C'est même pas du tout sérieux. D'accord. Ils ne prennent Donc pas... Donc on le fait pour le fun, en fait. Moi, je le fais pour le fun et aussi je me dis que j'aimerais bien réussir dans la musique. Mmh. Mais les parents, au début, ils sont pas dedans. Mon père, pour qu'il comprenne que c'est sérieux, il a fallu qu'il se déplace jusqu'à Conakry à notre premier concert où il y avait au stade Nongo. Mmh. Quand il a vu les 60 000 personnes, c'est là qu'il a dit c'est sérieux. avant ça, c'était pas sérieux. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, on va dire la carrière continue tout doucement. Ouais. Si on voulait faire un petit bilan déjà. Un petit bilan de ma carrière à moi? Oui. C'est simple, hein. En réalité, moi j'ai commencé ma carrière solo en 2014. Mmh. On est en 2021, je vais sortir mon 4e album là. D'accord. Donc c'est le début d'une longue carrière, j'espère. Mmh. En 3 albums, j'ai réussi à bien me faire connaître, à sortir mon nom de la section d'assaut. Je trouve ça bien à l'état actuel et je continue. D'accord. Alors là, je vous prends un mot parce que vous venez de parler des sections d'assaut. On sait qu'après, je ne vais pas appeler ça la session, puisque là, on entend encore le retour de la section d'assaut. Ouais. Mais je veux dire, quand James
décide d'embrasser une carrière solo. Ouais. En griffe, on s'est dit, bah, écoute, les autres, bon, qui est-ce qui sortira la tête de l'eau? Et puis après, paf, on voit Black M. Ouais. Qui vient avec d'abord un titre et puis un beau clip qui glane pas mal de lauriers. Ouais. Bah, c'est le travail avant tout. Et après, moi, j'étais pas dans l'optique de faire une carrière solo. D'accord. Pas forcément. Mais comme il y a eu beaucoup de demandes au niveau Black M, après Gims, je me suis lancé en me disant que je vais réussir à... Enfin, j'espère réussir à arriver à faire un disque d'or. D'accord. Avec le temps. Mmh. Et un an après la sortie, on s'est retrouvé à 1 million de ventes. Et donc, ça veut dire pour nous, ça, c'était magique. Ouais. Je crois qu'il y a eu, au niveau des couronnements, il y a eu un disque de diamant, en fait. Ouais, un double. Un double ? Oui, un double. Disque de diamant ? Ouais. D'accord. Tout à l'heure, on énumérait en fait les albums. Vous nous parliez des albums précédents, mais il y a un quatrième qui arrive. Il y a un quatrième qui arrive. On va rappeler les premiers albums. Il y a Les yeux plus grands que le monde. Ouais. Pourquoi Les yeux plus grands que le monde? Parce que là, on voit la pochette. Parce que quand je suis dans la section d'assaut, on m'appelle les gros yeux. Ah, d'accord. Parce que quand je freestylais à l'époque, mm-hmm. j'avais une attitude où mon œil gauche, mm-hmm. il se levait. Mon cil, il se lève. Bon, okay. c'est un truc naturel qui est en moi. D'accord. Et les gens, ils m'ont appelé les gros yeux. D'accord. Et donc, après ça, on a un autre album encore qui sort, qui est... Éternel insatisfait. Ça parle de vous. Hein. Ça parle de moi, ça parle de l'être humain en général. Mm-hmm. Pourquoi ce titre? Parce que je voulais avoir un titre un peu plus sérieux qui décrit la race humaine et moi-même. D'accord. Et ensuite, on a Il était une fois, sorti en 2019. En 2019, ouais. Mm-hmm. Il était une fois, c'est mon album qui marche le moins. Mm-hmm. C'est un album que j'aime beaucoup, mm-hmm. par contre. Il y a des beaux morceaux dedans, vraiment des bons titres. Mmh. On était contents du travail, on allait partir en tournée, mais la pandémie nous a dit stop. Tout à fait. Ouais. Alors, comment on se sent en tant qu'artiste black, qui est, on va dire, honoré pour, on va dire, récompensé avec le meilleur clip de l'année et ensuite meilleur artiste, on va dire, français. Mmh. Ben c'est black. C'est une grosse, grosse fierté. Après, je regarde même pas la couleur à ce moment-là. Je regarde mon travail. Tout à fait. Je regarde pas. Je suis black. Je suis pas dans ça à ce moment précis. Je suis dans la récompense de mon travail. Mmh. Et donc, du coup, c'est une fierté incroyable. Ça me touche moi. Ça touche tous mes proches. C'est magnifique. D'accord. Alors, je veux dire, à chaque fois que M Black doit sortir un clip, tout le monde est en alerte. En fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous réserver aujourd'hui? Parce que les clips, c'est beaucoup plus de scénarios. Comment ça se travaille? C'est avec le staff managérial ou vous émettez vos idées perso et ensuite... Moi, je mets tout le temps mes idées personnelles dans mes clips. Depuis le début, même à l'époque de Section d'Assaut, je donnais beaucoup, beaucoup mon avis sur les clips. D'accord. Parce que moi, je fais énormément attention à l'image. Et après, c'est au feeling avec le réalisateur. Si on le sent ou pas, si on le sent, on travaille avec lui, sinon on laisse. D'accord. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui nous prennent en marche que nous sommes dans la Légende des Stars avec Black M de la section d'Assaut. Et voilà, et puis à toutes les personnes qui nous suivent également sur Ivoire TV Musique. Yes. Il est là, il est tout frais, comme on dit à Abidjan. Merci. Voilà, il est venu avec un brin de fraîcheur. Merci. Joie de vivre, voilà. Apparemment, sur IAS, j'ai l'impression que tu te fâches jamais. Que je me fâche? Mais toi aussi, on dirait pas que tu te fâches. T'es souriant. Ah ouais, ouais, si. Pareil. Mais on a la joie de vivre. Ouais, c'est ça. On essaie d'avoir la joie de vivre, c'est important. D'accord. Mmh. Alors là, tout de suite, on va écouter le titre Ailleurs. Ok. Et c'est quoi l'histoire qui se trame dans cette chanson, Ailleurs? Ailleurs, ah là, tu m'amènes en 2014, c'est loin. Ailleurs, c'est... C'est à un moment donné où le rap français, je me souviens plus, il y avait quoi comme style de rap à cette période-là. Mais je sais que moi, quand je suis arrivé, je voulais dire que moi, je suis pas comme dans les ce gens. Style-là, en fait. Je suis pas comme les gens parce que ma musique, elle est différente. Mes flows, ils sont différents. Et même, je suis différent de la section d'Assaut aussi parce que j'arrive en solo. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis ailleurs. Tu vois, ailleurs, ah, enfin, voilà. Je comprends.
Mais alors, tout de suite, on écoute, je parlais des Samuel. Là, on parlait des rimes. C'est ce qui vous a valu le nom Black Black Mesrim. Ouais. C'est Mesrim Mesrim. Mesrim. Ouais. Mesrim, c'est. C'est en rime, en fait. C'est un jeu de mots avec l'ancien ennemi public numéro 1 en France, okay. Jacques Mesrim. D'accord. C'est un jeu de mots. Si. Ouais. D'accord. Ok. Pas de souci. On part tout de suite avec la chanson ailleurs. N'oubliez pas, vous êtes sur Ivoire FM également, sur Ivoire TV Musique avec Black M. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Ailleurs de Black M qui est avec nous, bien sûr, dans la légende des stars sur Ivoire FM, également sur Ivoire TV Musique. Voilà. Alors Black M, tout de suite la question qui me vient en tête, quels sont les rapports avec les frangins de la section James, les FA et les autres en fait. On a des bons rapports. Hein. D'accord. On a des bons rapports. Après, on ne voit pas sur les réseaux tout le temps en train de nous montrer ensemble, si. Parce que chacun a son planning. Mais sinon, on a de très bons rapports, pardon. Très bon rapport. D'accord. Alors, mais là, on a appris, là, je veux dire, il y a de cela quelques mois, le retour de la grande section d'assaut. Ouais. C'est quoi? C'était. On est. Un buzz ou. Non, on peut pas créer un buzz. Réalité. On peut pas créer un buzz comme ça. Ça serait insulter. Pourquoi que les buzz aussi, ça marche, en fait. Ouais, mais ça serait insulter le public qui attend depuis. Non, on a annoncé une tournée. D'accord, ok. On a annoncé une tournée en France et on espère l'étendre, cette tournée. D'accord. Mais c'est une tournée qu'on a annoncée, on n'a pas annoncé d'album. Ah, d'accord. Donc ouais. On va dire une tournée sur ce qui a été déjà fait. Sur ce qui a déjà été fait. D'accord. Pour la nostalgie. D'accord, je vois. Est-ce à dire, vous n'avez pas eu le temps de visiter, on va dire, pratiquement vos fans avec. Entre 2012 et aujourd'hui, on a pas fait de section d'assaut sur scène. On s'est pas produit tous ensemble. Mmh. Et on sait qu'il y a une forte demande de ça. Mmh. Donc on s'est dit, on va faire une tournée, aller revoir les gens avec les morceaux qu'ils ont aimés. Mmh. Et peut-être qu'à la fin de cette tournée, si on le sent, on verra. D'accord. Alors, en tant qu'artiste, on va dire africain, vous êtes né en France, ouais. Comme je disais, mais vous avez gardé en fait le lien avec l'Afrique. Ouais. Et sachant que en France, il y a eu des rappeurs, on va dire black, hein, MC Sola, Knuth Putuno, ouais. Alliance Ethnique, une formation dit mix. Et on vient avec un nouveau style, parce que la section est arrivée avec un nouveau style, une nouvelle variante. Ouais, ouais, on est arrivé avec autre chose dans le rap. Mmh. Il n'y avait pas ce côté pop. Voilà. Il n'y avait pas ce côté pop. Il n'y avait pas ce côté chant. Il n'y avait pas ce côté. Ça représentait beaucoup. Le rap, il était agressif à tout cette à époque-là. Fait. Ce qu'on appelle le hardcore. Ouais, le rap hardcore. Mm-hmm. Nous, on est arrivé, on a décomplexé tout ça. Là. On est arrivé avec un style parisien, parisien. Ouais. Et nous, on se considère comme rappeur, mais aussi comme musicien. C'est pour ça que. C'est pour ça que Gims y chante, mm-hmm. C'est pour ça que, à l'époque, hein, ouais. C'est pour ça qu'on tentait des mélodies, c'est pour ça que ça ne faisait pas forcément que du 100% rap. Mm-hmm. Le morceau Désolé, c'est pas un morceau rap, tu vois, ouais. c'est de la pop. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait la différence. D'accord, mais est-ce que le succès n'est pas dû au fait aussi que vous avez beaucoup, on va dire, étudié la réalité française? Vous savez, les Français, c'est l'amour, des mélodies, des choses qu'il faut rêver. Et on se met dans dans cet esprit-là, hein, et on compose en fonction. Moi, je pense que c'est même pas la réalité, que la réalité française, parce que nos morceaux, ils ont plus touché les Africains que les Français même. Mmh. Parce que je vois la différence entre la première fois où on fait un morceau comme Je reste debout en France et un morceau comme Je reste debout ici en Côte d'Ivoire. Je me rappelle quand on l'a fait ici au palais. C'était autre chose, les frissons c'était autre chose. Ouais. Le public qui est africain, c'est autre chose encore. Ça te montre vraiment l'amour qu'elle a pour toi. D'accord. En France, c'est un peu différent. D'accord. Alors, premier retour, on va dire, après l'actualité musicale, par-ci, M Black. Et le premier retour en Guinée. Mon premier retour à moi en Guinée, c'était en 2016. Ouais, c'est ça, ouais.
2016, mon père, il est déjà sur place. Il est parti voyager, parti en vacances avant moi. D'accord. Et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est ce jour-là. Quoi, c'est... Papa, il allait tâter le terrain ou Non, non, lui, il allait en vacances. Ah, comme ça, simplement. Il allait en vacances, mais quand il est parti en vacances, quand il est parti en vacances, ouais. Et bah, il commençait à se rendre compte, parce qu'il y a de la promotion autour du concert. Ah oui, tout à fait. Il commençait à se rendre compte que son fils est attendu là-bas. Ouais. On a même entendu qu'il a fait une interview en cachette. Ah ouais. C'est pas possible. Ouais, si, il avait fait une interview. Ah ouais, il avait fait une... au nom de son fils. Ouais, ouais, il avait fait une interview. Wow. Et quand on est arrivé, ben, c'est un jour magique parce qu'il y a toute ma famille à l'aéroport. Il y a le peuple qui m'attend à l'aéroport. Il y a plus de 5000 Guinéens à l'aéroport. On a mis 2 heures avant de sortir, 2-3 heures tellement il y avait du monde. Le concert aussi était dingue et c'est un retour aux sources inoubliable. C'est l'année où j'ai amené MHD avec moi. Ah oui. MHD, il n'était pas connu à cette époque là-bas. Ah ok, je d'accord. Et il n'avait jamais été en fait en Guinée. Je pense qu'il avait été, mais pas sous MHD. D'accord, ok. Donc il est allé incognito en fait. Ouais, il allait incognito. Je l'ai amené, il a fait la première partie avec moi. Ah ouais. Et il a fait ma première partie. Et les Guinéens l'ont très bien accueilli. Et suite à ça, lui, il est revenu. Il a fait le double des... Il a fait 120 000 personnes. Sa carrière a... Au stade, là, en fait. Je sais plus si c'est au stade. Ouais, ouais, stade. Ouais, c'est au stade. Ouais, c'est au stade. Très grand stade, là, en fait. Ouais. Waouh. D'accord. Alors, là, tout à l'heure, vous parliez de... Quand je parlais de, des liens avec l'Afrique, vous parliez que c'est l'éducation, c'est maman. Est-ce a dit, étant en France, maman continue à vous concocter des plats de là-bas? Bien sûr, tout le temps, ça, ah ça bouge pas. En les France. Papiers, tout ça, là. Ah, mais ça, c'est sûr, ça, c'est. Ça bouge pas. Non, mais c'est... bien sûr, ça bouge pas. En France, c'est la France, oui, mais quand on est chez nous, dans notre maison, c'est pas la France. Ah ouais. C'est pas la France. C'est pas la France quand on est chez nous, c'est la culture. C'est entre la culture française et la culture peul. D'accord. Ouais. Mblad se souvient de son premier amour à l'école? Ou alors là, non, c'est trop lointain, ça. C'était quoi, à l'école primaire ou au lycée? C'est primaire, je crois. Primaire. C'est primaire. On a le nom en tête, là? Non, c'est impossible. Non, mais bien sûr, on peut, quand même. Non, mais il faut moi que je c'est me rappelle. C'est pas Rihanna? Qui? Rihanna. Rihanna? Moi, j'aurais aimé que ce soit Rihanna, mais... mais c'est pas Rihanna. Non, mais plus sérieusement, on se rappelle pas de son premier amour? Non, 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 j'ai... De vrai, quand même. Non, on sait que là, tu es avec madame, elle comprendra. On parle de... C'est non, mais j'ai même pas peur de te dire, hein, c'est même pas par rapport à... Moi, j'ai eu beaucoup de conquêtes, les gars. Ah ouais? Tu me vois comme ça, j'ai eu beaucoup de conquêtes. Mais je me rappelle pas du premier, non. Je vois d'accord, pas. Mais après ça, je dis les autres, si, au lycée... Au lycée... Ouais, moi j'étais... Parce que la véritable question arrive en fait. C'est quoi la véritable question? Non, moi j'avais beaucoup de meufs. D'accord. Non, ouais. Je voulais savoir en fait, je veux dire, avant... J'avais les fameux... tout jeune, t'étais pas Black M. Non. Donc là, artiste et tout, est-ce que parmi, je veux dire, les anciennes conquêtes, même bien qu'étant à l'école où... Il y a force, il y a une qui... avec mais bien sûr, ça c'est revenu toquer plus d'une fois. Toc, toc, toc. Ah ouais. Qui est là? On n'ouvre pas les portes? Non, on n'ouvre pas la porte, non. On reste amis? Ouais, non, on n'ouvre pas la porte, ça y est, c'est fini. Oui, mais on se parle quand même. Pour certaines, oui. Ouais, ça arrive, ouais. Pour certaines. Ouais. Donc il y a certaines avec qui vous échangez. Ouais, je veux dire. Échanger est un grand mot, mais on se croise. Vous parlez. On se croise. Ah, vous croisez même? Ouais, ça nous arrive. D'accord. Ouais. Toi, tu veux me créer. On a le temps de les présenter à madame? Tu veux me créer des problèmes ici? Tu veux me créer des problèmes ici? Non, mais tout le monde, on sait tu as une belle épouse et tout ça. Donc, merci. Voilà. En plus, elle arrive là. Ah, elle arrive? Ouais, elle arrive. Elle arrive ce soir à Abidjan. Oh là là. Je vais te la présenter, tu vas lui parler des. On va parler de tout ça ensemble. Non, non, non. Je ne vais pas me mêler à ça. C'est officiel, on sait qu'elle est là, donc voilà. Ouais, là. Donc c'est très important. Alors, là, il y a la chanson Sur ma route avec un très beau clip. Merci. De belles images, des couleurs, et puis un clip qui parle, puisque ça parle de quoi en fait?
C'est un clip qui parle de moi déjà avant tout. Et si j'ai plusieurs rôles dedans, c'est pour montrer que chaque personnage de ce clip, que ça soit le boxeur, que ça soit le hobbit, etc., que chacun a une route. Chacun a une route, quoi qu'il arrive, et qui trace sa route. Chaque personnage trace sa route. Et c'est pour dire que chaque être humain, en réalité, il est sur sa route, c'est son chemin, c'est sa vie, c'est son destin. D'accord. Mais je me dis, après la sortie de ces clips, n'avez-vous pas eu des propositions de films ? Si. Parce que là, c'est un film que vous nous avez servi. Hein. Ouais, j'ai eu, mais pas assez, pas ce que je veux, moi. Pas ce que je veux. Moi, j'aimerais bien... C'est quoi, c'était des films hot ? Non, même pas. Ah, ok, je sais pas. Non, c'est pas des films hot. Non, c'était pas des films hot, mais c'était pas dans ce que moi je recherche. C'est quoi vous recherchiez ? Moi, j'aimerais... Film comique ? Déjà, j'aimerais bien être un premier rôle quand on m'appelle. Ah pas, ouais. Pas second, troisième. Un peu à la Omar Sy ? Ouais, pourquoi pas ? Très bon exemple. très bon exemple. Ah ouais. À la Omar Sy. Ouais. Où moi, j'aime bien la carrière de Will Smith. Ah, d'accord. Will Smith, il a fait de la musique. Mm-hmm. Après, il a fait des séries. Ouais. Le Prince de Bel-Air. Tout à fait. Après, il a fait des grands films... des classiques, les Hitch, tout ça là, c'est des gros classiques. Mm-hmm. Et ben moi je suis un peu le chemin de Will Smith. Donc ici il y a une proposition de série. Sorte. Ouais, comme ça. Je fais direct, même en Côte d'Ivoire je fais. Ah ouais. Ouais. Bon d'accord. Donc Roland Le Benguis, tu me regardes en ce moment là, il est prêt à tourner un film dans le genre Will Smith. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a Yopougon dans le quartier. C'est ça, ouais, donc, ouais, voilà. Ouais. Où il y a eu Arafat et tout ça. Ouais ouais. Mm-hmm. Arafat l'a connu. Ouais, bien sûr, ah ouais, je l'ai connu. Il nous a accueillis ici 2-3 fois, je crois. D'accord. Ouais, 2-3 fois, je l'ai connu. Mais il a quelques sons dans lesquels il a tenté de rapper, là. Tu as eu l'occasion d'écouter ? Ouais, j'avais eu l'occasion de rapper. C'est quand Gims, quand il était proche de Gims, c'est ça ? Ah ouais, c'est... Ouais, c'est cette période-là. Mm-hmm. J'avais écouté un peu. Moi, j'aimais bien. T'aimais bien ? Ouais, moi, j'aimais bien. D'accord. Tu étais où ? Ou bien, je me dis, comment tu as appris sa disparition ? Sa disparition, on était en France. D'accord. On était en France sous le choc. Ouais. Ouais, sous le choc. Et ouais, ça nous a beaucoup touché, ça, parce que même après, ce qui s'est passé, c'est moche. Mmh. Donc, ouais, ça nous a touché, la mort d'un, en fait. D'accord. Mmh. Tu es venu plus de 6 fois à Abidjan. À donc, on va dire, tu connais un peu l'esprit des Ivoiriens, très taquin. Mais après, on va dire, derrière, il n'y a rien. Donc, tu as pu lire au moins ce qui s'est passé avec Ahmed Jeans quand on a perdu notre premier ministre, Ahmed Bakayoko. Pas mal de fans se sont plaints sur la passe de Jeans. Pourquoi ? Je n'ai pas suivi ça. Tu n'as pas suivi ? Ah, non. Ouais, ouais. J'ai dû entendre parler rapidement. Ouais. Bah, tu veux que je te dise quoi par rapport à ça ? Je sais pas, un petit commentaire. Un petit commentaire Parce qu'ils ont mis sa passe en feu, hein. J'ai pas suivi forcément ça, je devais être en tournée à gauche à droite. D'accord. Mais bah, de toute façon, Internet c'est une page où il y a des potins, hein, en vrai, où il se passe des choses négatives, positives. Voilà, toujours sur Ivoire FM avec Black M de la section d'assaut, il est avec nous, voilà, il est venu également nous donner quelques nouvelles sur ce qu'il prépare. Notamment son nouvel album, c'est cela, Black M. Ouais. Alors moi j'ai sorti mon quatrième album, je le sors sous forme de 3 parties. D'accord. Ok. La première partie, elle est sortie le 21 mai. Ok. Elle est sortie que en France, en streaming seulement. Il n'y a pas eu de vente physique. Mm-hmm. C'est Alpha partie 1. D'accord. Là, je suis en train de préparer Alpha partie 2, mm-hmm, qui va sortir avant la fin de l'année. Mm-hmm. Et je ferai Alpha, la version finale, d'ici début 2022. D'accord. Alors, je sais que la question qui viendra, tu me diras, peut-être que c'est papa qui répondra. Dis-moi. Parce que je constate que tu as les deux noms populaires des Peuls. Tu as Alpha et tu as Diallo. Ton nom à l'état civil. Ouais. Diallo, je crois que même mon père il pourrait pas te répondre, ça remonte à... Ouais, si, les ancêtres. C'est en fait. Les ancêtres, voilà. Et Alpha c'est le prénom de mon grand-père. Mm-hmm. D'accord, parce que tout à l'heure tu parlais de Alpha 1, Alpha 2, il faut rappeler aux gens que c'est ton nom en fait. Ouais, c'est mon prénom. Mm-hmm. Et Alpha c'est mon prénom, et c'est le prénom de mon grand-père aussi, et, mm-hmm,
Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de mettre ça en avant un peu pour rentrer encore plus dans mon personnage. D'accord. Et donc, le nouvel album, je dis, quand on finit de faire les premières, deuxième, troisième sorties, après, il sort physiquement ? Il sort physiquement. D'accord. Mais même la partie 2, elle va sortir physiquement, je pense. Après le streaming, en fait. Ouais, ouais, ouais. Exactement. D'accord. Mm-mm. Comment on voit l'évolution de la musique africaine ? Le rap ou la musique africaine ? La musique africaine en général. La musique africaine évolue très très bien. Moi je m'intéresse plus au rap africain. D'accord. T'écoutes que le rap ? Ouais, ouais, moi j'écoute. En tout cas, en ce qui concerne l'Afrique. Mm-hmm. Ou alors je vais écouter du Naija. D'accord. Un peu, tu vois. Mm-hmm. Mais moi c'est les rappeurs, vraiment, les rappeurs. Là, j'écoute des jeunes rappeurs, pas du tout connus, tu vois. D'accord. Hier, on a rencontré. Ici, là, comment il s'appelle ? Spider, comment il s'appelle ? L'immature. Spider l'immature. Tu connais Spider l'immature ? Spider. Ah ouais ? Non, non. Oh, moi-même, je t'apprends quelqu'un. Ben oui. C'est un petit rappeur ivoirien. Spider l'immature. On a freestylé avec lui hier, ouais. D'accord. Les Kiff No Beat, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'espère que là, tu as commencé à citer, la plus grosse star du rap ivoirien. Hein. C'est qui la plus grosse star du rap ivoirien ? Non, tu vas pas me dire. Pour toi. Je connais pas quand même. Dis pour toi, c'est qui ? Ramba Junior. Alors là, je te jure que je connais même pas, non. Ah ! Non. Mais est-ce que c'est. Ramba Junior, Black M dit qu'il ne te. Non. Tu connais pas Ramba Junior ? Non, faut me faire écouter. Non, il est tout jeune, il y a un petit là. Il a quel âge ? Il doit avoir quoi ? 11 ans, 10 ans ? Il y a lui, il y a KS07. Et puis tu as qui d'autre encore ? Mais Ramba Junior ? Non, je connais pas. Il dit qu'il est l'héritier d'Arafat, tout ça. D'accord, c'est vrai ? Oui. Parce que je vois les gens rigoler. Tu connais Grand P quand même ? Oui. Ah, ça y est, toi t'es dans la comédie, j'ai compris. D'accord, Grand non, P. Non, Grand mais... P, je le connais. Big up à mon gars Grand P. Oui, mais c'est... il marche avec Grand P en fait. Ils marchent ensemble. Bon, d'accord. De temps en temps, quand il arrive à Abidjan. Laissez mon gars Grand P. Mais apparemment, là, tu es tenté par un duo avec Grand P. Pourquoi pas, c'est mon gars. Alors, la chanson Madame Pavosko. Ouais. Mm-hmm. C'est pourquoi ce nom ? C'est un nom quoi ? Russe ? C'est polonais. Ah, polonais. Mais pourquoi aller chercher loin comme ça ? Parce que c'est pas loin du vrai nom de la personne. D'accord, mais on m'a dit c'est vrai, ça a été une des anciennes profs. Ouais, ouais. Non, pas vrai prof, c'est ancienne. Maîtresse ? Directrice, ouais. Ah ouais ? Ancienne directrice. Donc ouais. C'est une histoire réelle. Ouais, 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 c'est réel. Donc tu lui rends hommage ? Je lui rends hommage en lui disant regardez, je peux faire de la musique. Elle disait que j'allais pas réussir dans la musique. Pour de vrai. À l'école. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais en cours, okay. Explique j'étais au fond de la classe. D'accord. J'étais au fond de la classe. Mais là-bas, c'est ceux qui aiment beaucoup bavarder qui s'y mettent. Hein. Ouais. Bavarder avec les meufs, ouais. Tu vois, tous ces trucs-là. Et j'écrivais beaucoup de textes. Ok. En classe. Ouais. Mm-hmm. Les profs me voyaient écrire mes textes. Ok. Et ils allaient rapporter à la directrice. Mm-hmm. Et donc, du coup, je me retrouvais souvent dans son bureau. Comme l'intro du clip. D'accord. Pareil. Okay. Tu vois. Mm-hmm. Et j'ai décidé d'en faire une musique. En hommage à elle. D'accord, mais t'as pas voulu, on va dire, mentionner le nom réel de la dame. J'ai déformé son nom pour pas qu'on l'embête. Mais est-ce qu'après elle a su que c'était toi, ouais. C'est ça ? Ouais, bah bien sûr, vous le morceau. On s'est pas parlé, mais y a des profs du lycée qui m'ont dit qu'elle avait entendu le morceau. D'accord. Et qu'elle avait apprécié. Elle a apprécié. Ouais. Alors, on est à Abidjan forcément pour quelque chose ? Ouais, je suis venu parce qu'il y a des artistes qui m'ont invité, des artistes ivoiriens que j'apprécie. D'accord. Elon de Kiff No Beat. Ok. On a fait un gros, 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 gros morceau qui sera sur son album. Ah ouais ? Ouais. Ariel Chenet aussi qui m'a invité. On a fait un gros morceau pareil. Et MC One. MC One ? Ouais, MC One c'est mon gars depuis. Ouais. Mm. Mais alors dis-moi, comment ça se manage ? Je veux dire, faire un duo, il faut être d'abord pop. C'est le feeling. Ouais. C'est-à-dire si. Il n'y a pas à débourser, non ? Non, 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 c'est. Engin, ça se passe. Non, ouais, ouais, ouais. Entre nous, non, non. Quand c'est des artistes américains, il y a de l'argent au milieu. D'accord. Mais business. Artistes américains, c'est eux qui exigent ou c'est vous qui exigez ? Ou bien vice-versa ? Ça peut être vice-versa. Ça peut être vice-versa, ouais. Mm-hmm. Mais non, ça m'est jamais arrivé de demander de l'argent à un artiste français ou africain. D'accord. Et là, il y a une chanson qui a été dédiée à votre femme. Ouais. Léa. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à Léa ?
On dit on écoute le morceau. Non. Tu vas pas me faire le coup de Bleu Brigitte, la maman de Abouchou. Bon, je sais que tu ne peux pas connaître. Voilà, non. Parce que là-bas, c'est... Non, c'est un hommage. Tu l'aimes bien. C'est même plus que c'est plus que aimer bien. Il a dit tu l'aimes bien. Non, en fait, façon de parler quand je dis tu l'aimes. Non, tu regarde, ça fait 12 ans on est ensemble. Ok, 12 ans. Ça fait 12 ans on est ensemble. Ouais. Donc tu l'as connu au lycée. Je l'ai connu au premier clip de la section d'assaut, c'était la maquilleuse. Mais attends, tu es grave. J'ai pécho la maquilleuse, j'ai chopé c'est la maquilleuse. C'est impossible. Ah, pardon, mais ce jour-là, c'était moi l'élu. Attends, premier clip, elle vient vous maquiller, tu la vois et tu kiffes. Ouais, on se kiffe. Ça a été réciproque, donc on va dire un coup de foudre. Ouais, c'était un coup de foudre. D'accord, mais qu'est-ce qui a parlé en premier, c'est toi ou c'est... Je crois que c'est moi, mais ce qui est drôle, c'est que lui, il était là, Ah, il était là ? Ouais, il était là. C'est lui, il m'a dit, vas-y, va. En fait, j'étais un peu hésitant. Ouais, j'étais un peu hésitant. C'est lui, il m'a dit, vas-y, tu lui dois beaucoup. Idiot, vas-y. Comme on dit, tu mouillais, tu avais un peu peur. Ah, j'avais un peu peur, bien sûr. Mais c'est vrai, ce que je te raconte là, c'est vrai, lui, il était là, réel. D'accord, mais quand tu pars, c'est quoi ? Quels sont les premiers mots, je dis ? Parce que là, elle en train de se maquiller et puis tu lui dis... Je sais même plus. Si, elle fumait une cigarette. D'accord. Et moi, je savais pas quoi dire. Mais j'ai dit... Toi, tu fumes pas ? Non, moi, je fume pas. Donc, tu as dit... J'ai dit, tu sais, c'est pas bien de fumer la cigarette. C'est le seul truc qui est sorti en premier. Tu sais, c'est pas possible. Petit timide. Ouais. Tu sais que c'est pas bien de fumer ? Ouais. Après, elle a dit, il faut bien mourir de quelque chose. Wow. Après, dès qu'elle a dit ça, nous, on a commencé à rebondir, parler, caca, caca, caca. Après... Mariage, deux enfants, c'est fini. Oh, blague. Je résume. Parce que l'émission, elle se termine. Oui, je sais, ouais. Deux enfants. Ouais, deux enfants. Garçon, fille, quel âge ? Garçon, fille. Un de 9 ans et une de 10 mois. D'accord. On va en faire jusqu'à combien, comme ça ? Si Dieu nous donne la possibilité. Si tu lui demandes, elle va dire là, stop. Mais toi, tu es en oualé seulement. Moi, comme mon père. Ah ouais, papa en a fait combien ? Mon père, il a beaucoup d'enfants. Toi, tu es le quelième ? Moi, je suis le deuxième. Deuxième, donc c'est que papa en a peut-être 8 ? On a des demi-frères, on a une grande famille. Une grande famille, laisse ça. Il dit laisse ça. Comment ? Oui. T'as combien d'enfants ? Combien de femmes ? Une seule. Ah d'accord. Non, je demande. On sait jamais. Une seule ? D'accord, c'est bon. D'accord, ok. pas mal de, on va dire, d'anecdotes hors antenne. Donc, je voudrais... Mais en fait, tu es un grand lover. Waouh, moi je suis un lover. Moi, j'ai pas peur de dire je suis un lover. Waouh. Je suis un lover, je suis fidèle en amitié, En fait, moi, je suis... Tu es entier, on va dire. Ouais, je suis entier. Quand je donne. D'accord. Alors là, on a pu voir hein, dans le clip une demande en mariage. Ouais. Et là, ce que me disait ton pote tout à l'heure, en fait, madame n'était au courant de rien. Elle était au courant de rien du tout. Et donc, tu profites, on va dire, de ce clip, le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Pour lui faire une demande en mariage. Exactement. Et en même temps, clipper. Ouais. Je lui ai fait plusieurs surprises. La première scène, j'ai fait un petit déjeuner face à la Tour Eiffel. D'accord. Sur une patinoire. Mm-hmm. Un truc glacé, là, terrain glacé. Après, je l'ai emmené dans un cinéma privé. Mm-hmm. J'ai mis un film de notre vie, plein d'images de toute façon, dans le clip, tu ouais, le vois. Si, je vois, ouais. Après, j'ai loué un bateau. Mm-hmm. Et après le bateau, on est arrivé sur les quais de la Seine, là-bas. Là, et il y avait toute une chorale. Ils étaient 10-15. Oui, habillés en blanc. Ils chantent pour elle. Et à la fin, je lui fais la demande en mariage. Wow. Et elle dit non. Non, je rigole. Elle a dit. Non, mais en fait, ce que je remarque, tu as de sacrées potes. Parce que normalement, je dis, celui qui fait le montage, on va dire des images qui doivent être diffusées dans les cinémas, aurait pu peut-être. Ah, mais écoute, Léa, ton gars, il est en train de faire un truc, mais non, elle n'est pas informée. Non, ça c'était. Oh, ça c'était. Hein ? C'est quadrillé. C'était quadrillé. Il dit, c'est quadrillé. Tout était quadrillé. Ouais. Non, mais je suis. Merci. Je suis bluffé. Merci. Je suis bluffé. Si ça te donne des idées, tant mieux. Tant mieux. Ouais, non, les idées, ah non, mais après, il faut que. Voilà. Ah, lent. Lent. Ouais. Ah, aller faire un dîner au pied de la Tour Eiffel, tout ça, ça demande du blé. Non, mais ici, t'as pas besoin. Ici, il y a des paysages magnifiques. Non, si. Si j'étais là, j'aurais fait ça ici, là. Ici, hein. À Grand Bassam, tu vois. Ah, ouais, ici.
Alors Black M, on est au terme de cette émission. Un mot, merci aux Ivoiriens. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Ouais. Je suis content d'être ici. Toujours un bon accueil. Très bien accueilli. On va faire le travail, les clips, tout ça, avec les artistes qui m'ont invité. Merci à eux. Et je suis content de venir à la rencontre de mes fans. D'accord. Check. On est ensemble. Merci beaucoup Black M. On est ensemble, merci. Et puis, en tout cas, sache que tu as pas mal de fans à Abidjan. Merci. Et puis l'Afrique est fière de toi. Merci beaucoup. Pour être gars, vous faites un travail énorme. Merci pour le soutien. Et en fait, voilà, pour tout ce que vous faites. Et puis que Dieu vous donne encore la force. Merci beaucoup. Et merci de valoriser. Force à vous aussi, force à Ivoire FM. Ouais. On est ensemble totalement. Merci beaucoup. Merci. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions.